Voilà donc la menu du jour. Il y aura une soupe de petits pois, et rue avec légumes, et mini pizza, et courgettes farcées donc avec poivron, et des beignets donc voilà, de légumes, et salade, et des toasts avec épinards et tomates, et un dessert de ce qu'on appelle basmousa. Donc c'est un dessert donc que la plupart des pays arabes le font, et c'est déjà bref, je pense qu'il est déjà là-bas. Bon, le point de départ du projet, ça a été en 2013. Ça a été donc, c'est des sans-papiers qu'ils ont menés. Maintenant, la majorité s'est régularisée. Mais le concept, ça a été comment essayer de pousser donc une personne en situation précaire pour qu'il devienne un acteur de société, un acteur de changement, disons. Et on a commencé donc à contacter des marchands pour faire leur équipe et pour cuisiner donc pour la période hivernale. Après donc, la période hivernale, on a constaté que vraiment il y a un énorme gaspillage au niveau terrain. Alors on se disait pourquoi pas essayer voilà, de développer le projet. On essaie d'installer un système de solidarité. On lutte à travers contre le gaspillage alimentaire. On travaille sur le volet, ce qu'on appelle précarité alimentaire. Ça aussi nécessaire d'impliquer à travers ce projet des réfugiés, des sans-papiers, aussi des personnes en situation précaire avec papier. La meilleure solution, c'est en prendre les choses en main et on essaye voilà, de chercher des solutions et aussi de prendre sa responsabilité. C'est un petit pied avant un océan pour essayer de participer à créer ce qu'on appelle la richesse. Je pense que chaque être humain a un savoir-faire. Et s'il trouve donc des conditions assez favorables, explore ce qu'il a. C'est comme ça que ça marche.